Chers amis internautes, téléspectateurs, nous voulons dire merci et bonsoir. D'est-ce que vous avez écouté l'émission Paul, le docteur nous conseille. Et c'est avec plaisir nous rentrer la caille, nous prenons place et nous disons prends une chaise bas ou prends le joint de conseil parce que sujet ça, c'est un sujet qui palpitant d'intérêt. Mais juste avant, nous voulons saluer le panel là qui est déjà là. Nous connaissons, comme à l'accoutumée, c'est le docteur Jean-Daniel Falaise et le docteur Carmel également qui est avec nous. C'est l'équipe là. Nous déjà en place, prêts pour nous capables de dire prendre chez ou mes conseils. Parce que c'est pas vrai, Carmel? Voilà, c'est ça, Chantal. Nous voulons saluer tous les internautes, nos amis qui. Pas j'en fais le défaut pour y suivre l'émission Sayo parce que y'a qu'on est santé, c'est toute bagaille. Sinon, pas que santé, pas rien que nous sommes capables de faire. Donc, nous saluons qui est déjà prêt pour y'a capable avec nous dans ces visas et qui déjà prend décision pour partager toutes les informations que nous rejoignons dans ces visas. Docteur Jean-Daniel, nous allons passer l'image topographique comme à l'ordinaire. Nous voulons saluer encore une fois. Oui, Chantal, bonsoir, bonsoir Carmel. Comme nous disons, nous parlons bien sûr de prévention du cancer du sein. Dans l'image, nous mettons pour nous voir comment on a fait, montrer nos gens pour faire prévention, ça que nous autres examen, ma mère. À tous les amis, nous, comme toujours, nous prenons plaisir pour parler nous, de maladies, ça qui a congé, famille, nous, les amis, nous, mesdames, nous. Et surtout, chers amis, comment faire prévention pour nous éviter de tomber dans une série de circonstances qui sont très difficiles, parfois pénibles pour nous-mêmes. Oui, nous avons parlé de cancer du sein pendant des semaines. Et je dis justement, nous avons parlé de traitement et prévention. Traitement, nous avons parlé de ça en gros, mais nous avons mis l'accent pour le moment sur prévention. Prévention, chers amis, c'est que tout d'abord, nous encourageons toutes les jeunes filles après la puberté, avant et après la règle, pour faire autre examen sain. Ça, avait dit chez amis. Lorsque nous avons baigné dans la toilette, lorsque nous avons pris des moments pour ça, même nous avons dans un miroir, nous avons regardé le sein, pour nous voir si c'est asymétrique, si c'est pas déformé, est-ce que les baguettes ont bossé en nid, est-ce que le sein a coulé. Est-ce que les bactéries de texture pour arrêter même genre, pour arrêter lisse? Tout ça, c'est une série de signes nous avons nous-mêmes pour aviser les médecins de ce que nous avons. Si nous avons un changement d'ancien tout rapidement, nous avons les médecins, nous avons un petit boulot qui est anormal. Pas prendre ça comme ce que rien n'était, toujours avec les médecins nous, pour mettre au courant. Et ça nous voulait nous connaître que nous-mêmes encore, en pile fois, c'est sur les patients qui découvrent que dans le sein, il y a un bout qui est anormal, un petit bout qui paraît. Et généralement, c'est pour ça qu'il y a même des crêles, ou même ça aide en pile, dans le diagnostic et pronostic cancer du sein. Et lorsque vous prenez d'une manière précoce. Donc, chers amis, nous encourageons les jeunes filles, nous, faire autre examen sain, non, et une fois par mois au moins. Et nous encourageons nous faire deux fois avant et après règlement. Et lorsque nous prenons l'âge ménopause, nous, après 50 ans surtout, avec le cancer du sein très fréquent dans l'âge, ça n'est pas ça. De 50 à 70, 75 ans, les plus fréquents. Et bien nous encourageons, et non seulement mesdames nous, qui sont dans 50 ans, faire autre examen de sein tout régulièrement. Et surtout, le cas fait en sorte de, même si nous avons un antécédent de cancer par an, le cancer du sein, nous avons fait en prise en charge. Chaque deux ans, nous encourageons nous pour faire un mammogramme, au moins chaque deux ans, et notre cancer qui apparaît, il y a détecté à temps pour prendre les mesures nécessaires. Et encore, nous avons toujours un médecin nous, pour faire pour nous un examen régulier. Puis ou est-ce que c'est anormal? Est-ce que les qui dans cap couler? Est-ce que ma mélon n'est pas inversé par entrer en dedans? Est-ce que la texture est normale? Tout ça entre en jeu. Surtout lorsque nous gagnons, nous prenons cinquantaine, nous. Donc, dans le cancer, c'est un peu fréquent. Et bien, nous même tout la plus attention. Donc, nous ferons en plus en charge à médecin, nous. Chaque deux ans au plus, nous faisons, et au moins, nous faisons mammogramme normalement.
et nous faisons nous fait autre examen c'est nous-mêmes et nous faisons médecin ouais nous examinons nous tout médecin lui-même médecin non bien infirmier non ce que nous gagnons personnel de santé non la des informations qui est extrêmement importante pour sur santé saine nos chers amis. Donc en gros pour nous garder protéger nous faire examen nous et ça lui-même et les pas aider nous pour que nous pas tomber dans le cancer du sein parfois qui avance qui est en stade dans 1 2 3 4 on arrive dans 4 c'est là la couleur mais sinon malheureusement ils vont très tard pour nous donc nous comment on fait examen sein hein? C'est ou lever en main OK ou lever gauche ta ou main droite là ça n'est pas de sein pour examiner là et on prend avec plat main et paume de la main et on prend droit yo ou fait yo autour de yon yon monde je ne vais la virer OK on commence là on va prendre en base là ou faire un nas ou fin en l'air ou va prendre en l'air tout ou descendre à sauver dans base là c'est important les amis. Donc, il fait dans le prêtre saint là, mamie l'ancien qui là, bien sûr, mais il barre les, et pour que son éthique. Et bien là, on prend le prêtre saint, on fait un petit peu pour être le barre liquide. Ça est extrêmement important pour être le saint, le barre liquide. Donc, on va être le prêtre saint inversé. Si tout barre ok, très bien, mais en principe, fais ça régulièrement. Que jeune fille qui n'a fait qu'une puberté, après, avant et après le goût, que fille qui n'a ménopause, ou ka fè autre examen sein ou fè prise en charge par médecin ou de manière régulière chaque 2 ans au moins ou fè mammogramme avec ça si on cancer apparaît médecin habitant ou attend il y a bon traitement et pas oublier que on a un traitement de 99% à 100% traitement lorsque on prend de manière précoce et nous espérons que nous apprendre ces conseils ça yo partagez chez amis pour mesdames nous ka vivre en bonne santé merci. À tout à l'heure. Comme nous sommes là, docteur, nous avons en grande partie d'amener montrer nous comment pour nous faire auto-examen nous-mêmes, auto-examen nous pour nous capables examiner sain pour nous capables voir qui ça le gagne qui différent la dernière comme nous te connait avant parce que l'on bagaille c'est on connaît. Donc je dis comme nous pral pré-traitement. Donc dans mon dit nous est-ce que c'est ça seulement qui traitement qu'on ca fait là connaît qu'on ca gain problème dans sein. Oui, nous t'ai dit c'est là au fond très belle question bien sûr. En parlant de ça que nous relais et traitement cancer du sein, tout d'abord nous que traitement général il y a trois phases. C'est chirurgie, c'est radiothérapie, c'est chimiothérapie. Et normalement ça cancer arrive déjà son masque pas dans sein hein, dans tête là. Donc, masse à lui-même, il faut extirper, il faut retirer lui. Ça veut dire qu'on est en chirurgie, ok, on va le faire. Pour la masse à généralement, c'est quand c'est infiltré dans l'organe qui appartient à un gliocyte tout qui est en bas, dans la SLD, il faut retirer autour. Et parfois, si son cancer qui est infiltré, par exemple, je dirais avant, par exemple, pour. Yon adenocarcinoma infiltré, on peut dire infiltré, surtout au niveau des conducteurs trop forts. Maintenant, nous allons voir que, côté que, dans ce sens-là, on peut vous retenir pour faire une ablation mammaire, ou une cité à net. En plus, fois, nous avons fait ça que, si vous avez fait, parfois, on peut essayer même les deux seins, ça ne fait pas de gravité, de stade cancer là. On peut faire un stade, par exemple, 4, ou bien ça, 3, 4 points. Donc, en général, il y a une chirurgie. Après ça, on va tomber dans ce que nous avons appelé chimiothérapie, bien sûr, parce que généralement, on cancer du sein, il va mettre à la distance pour ne pas aller dans le cerveau, ou bien dans le poumon, ou bien dans la zone, ou bien dans le foie. Donc, généralement, nous faisons chimiothérapie pour imposer pour les cellules qui voyagent au niveau des conduits sanguins encore. Au niveau de votre pratique, pour ne pas mettre ça à la distance. Donc, en gros, ça nous fait maintenant, nous faisons tout ça que nous aidons lorsque le patient est jeune, hormonothérapie. J'ai hormoné une fois pour qu'il y ait contrôlé sur lui. Avec ça, nous faisons traitement. Donc, la prise en charge est faite généralement par le groupe médical, généralement, sur un médecin ou. Ces médecins sont généralistes, nous faisons au color, ils font équipe ensemble. Et on prend en charge, effectivement, pour généralement, nous allons dire que la plupart des cancers du sein, même si on avance à mille fois, il y a un traitement, et ça y est qu'il y a l'air professionnel
de santé générale. Donc, nous avons une question face à ce dit là, docteur. Donc, qui veut dire, les nous faire auto-examen, c'est juste une façon pour nous. Non, je ne parle pas d'auto-examen, je ne parle pas de traitement qu'on est là. Oh, de traitement, ok. Oui. Donc, c'est traitement ça que nous avons auto-examen, nous avons dit, pour aller rentrer en prévention. Bien sûr. Bien ok. Sûr. Donc, le traitement, ça, est-ce que qu'on est là, ou dit les gens jeunes, ils fait pour une sorte de. Hormone thérapie. Est-ce que hormone thérapie ça lui-même? Est-ce que nous dit les moun jeunes? Est-ce que c'est de 30 à 50 ans qu'on ça au bayol? Ou bien si moun capable te gagne par exemple nous prenons ti moun qui gagne 20-25 ans, yo fait hormone thérapie pour yo également? Bon, généralement le cancer du sein pas prend moun dans la jeune âge. Ok. Donc il fait grand pile ça à partir de 50 ans. Donc généralement nous voyons que le cancer du sein apparaît, en plus cas, c'est après ménopause. Donc, généralement, il n'est pas fréquent, mais comme nous le disons déjà, je me dis aussi, quand on fait le cancer du sein, on connaît le moment de pregnancy, de grossesse, au moment de augmenter, de ménopause d'atout. Généralement, nous voyons que, quand on est jeune, ou encore avant même qu'on a procréé, on connaît une jeune fille, tout, une jeune fille, 18, 20 ans, qui est cancer du sein, tout, attention, qui est plus rare, mais qui existait. Parfois, c'est cause d'affaires aux chercheurs, c'est hormones de traitement, ils vont inclure hormonothérapie dans l'année, en plus de fois. Ok, ça que fait me déposer au docteur. La jeune dame. Ça que fait me déposer au docteur, c'est que je connais un petit monde qui a 19 ans, il a détecté qu'il fait cancer du sein. Bien sûr. Et ça que fait me demander, est-ce que c'est possible? Merci beaucoup. Merci, docteur. Falaise, nous t'avons suivi avec un peu d'attention quelques points que vous avez touché dans ce qui a rapport avec le traitement. Et nous croyons que c'est une bonne nouvelle que y est pour dans nos familles, parce que vous connaissez même si ça t'arrivait depuis que vous êtes en temps, eh bien, il y a une possibilité pour vous capable de passer de cancer ça. Dans quelques moyens, quelques moyens que vous êtes capable, docteur, vous êtes capable d'appliquer, hein? Eh bien, nous avons des possibilités. Qui toujours dit prévenir vaut mieux que guérir. C'est vrai que nous avons parlé de tout ça qui est capable de faire en termes de traitement. Mais nous allons demander si ce pas quelque chose que nous allons faire en termes de prévention. Parce que nous prenons dans la prévention en tout. Est-ce que nous avons un bagage que nous sommes capables de faire, des mesures que nous sommes capables d'adopter, que nous allons faire pour prévenir de ces choses sur le bébé. Sur le thème de prévention, nous sommes capables de dire à nous-mêmes et à nos amis nouveaux qui ont suivi. Très bien, Carmel, bien sûr, prévention, regarde, c'est plus fort, nous rappelons, c'est plus méchant ça, qu'on pourrait éviter mon prévention aussi de maladie. Et ces préventions, comme vous dites, prévenir vaut mieux que guérir. Oui, ça est extrêmement important pour nous. Maintenant, cancer en général, chers amis, nous avons une fois à parler quand même. Et pour faire des préventions, ça veut dire faire ça, pour faire cancer. Généralement, surtout des causes d'aller, c'est cause aussi des familles, que nous, dans le cas où nous avons déjà, nous avons des familles qui sont génétiquement exposées. Et nous sommes dans un pays pour Haïti, où nous avons un grand nombre de terres. Haïti, nous avons fait 6 000 par exemple. Après, nous avons fait quand même, qu'a fait, mais nous avons fait des fêtes qui ont fait moins de cas possibles. C'est plus rapide. C'est la même chose aussi. Pour ces maladies que nous héritons les parents, nous, au génétique, nous allons empêcher que nous n'ayons pas. Maintenant, comment vous allez faire des efforts pour si nous affecter, pour apprendre à temps, pour arriver dans le stade et côté que le médecin est prêt et est prêt à faire pour nous. Par exemple, dans le cas de la du sein, ce n'est pas une prévention. Prévention au Carmel et Chantal, de commencer depuis la jeune la Simone. Nous avons pu trop enseigner ça. Moi, j'ai Simone lorsque on va baigner, laisse le faire tomber, son petit masque d'ancien, fait pas rencontrer un cas de docteur ça, car le salier. Parce que actuellement,
cancer pas seulement commencer le monde qui âgé, cancer pendant la tout âge, pas y changer sérieusement, surtout, mais dans l'armée, c'est parfois non à l'armée. Maintenant, il faut raconter que, on sait ce qui dans ça, quand nous sommes pas enseignés, pour qu'on fasse tout ça, pas qu'il y ait de poulet. Ou après ces moments, surtout après la puberté, parce que la vie a fait autre examen sain, et ça que nous devons tout le monde connaître, nous devons une image. Quand on a fait autre examen sain, on cherche quelque chose qui est anormal dans le sein, ok? On fait à la manière d'une aiguille d'une montre, on commence à faire rond dans le sein, image là, on cherche tout côté de sein, on fait rond sein net, pour être normal, et pour se rendre si masqué normal. Là, et c'est important, ou à l'hôtelier, ou il y a un peu de théâtre, ça qui nous a pas mis de moi, ou faut se peser pour est-ce que c'est liquide, et pas ok, pour est-ce que c'est normal, pour est-ce que changement froid, et est-ce que pour changer, est-ce que c'est toujours texturé, tout ça entre en prévention. Maintenant, on te examine séant, tout ce que vous avez comme ça, soit payé, la toilette d'eau, on met votre sabre parfois, au niveau environnement l'air, la fin doit faire examen séant. Et là encore, dans le copio généralement, mes amis, ça c'est important. M'arriver sous madame Pampé, sous Marie, ça c'est important. À madame Mon, sous madame Gonti, à mon ancienne nuit, il faut qu'on ait ce qui s'allie. Il faut qu'on ait pris ça en charge, quelque chose ne va pas. Pour faire prévention. Une barre de médicaments qui sont importantes, c'est d'alerter les amis. Si vous devez alerter correctement, c'est quoi? Ou tu peux bien alerter, l'être là, même si vous avez quand c'est du sein, lorsque vous n'avez pas alerté, les gens qui sont trop forts, ils font mon masque avec le temps, ça, si vous n'avez pas alerté, on monte bien, par exemple, si vous t'aidez, correctement ça, de façon à faire prévention et quand c'est sain. Et en général, on monte sur le coup de la petite. Tu vas veiller sur vous, surtout après nos posions, pas à l'église, tout ça est extrêmement important. Puis il faut qu'on revienne sur à partir de 50 jours. D'accord? En gros, ça que nous gagnons comme prévention, et surtout, ces amis, n'enseignons pas bien que lorsque on faut faire exercice, on se mouvoir, faire plutôt à l'eau, l'aider à ses atouts, les formes de circulation, l'aider à performer, tout ça est extrêmement important lorsque on fait exercice, tout ça que nous avons une hygiène de vie. Que on fait de faire tout pour son extrêmement important. Et pour finir avec les gens, les hommes aussi, quand on fait du sein tout. Garçons autour, si nous avons un petit boulot normal tout, par rapport à ça, l'extrêmement dangereux. Généralement, garçons eux-mêmes, lorsque vous faites un fait du sein, ils ne prennent pas à temps, ils étaient, ils ont l'avenir, ils ont pas un lien, les années, ils ont eu un stade 4. C'est le sport. Et l'hypermétastase dans tout le système de l'air et il y aura un arrêt pour eux en deux fois sur la mort. Vous voyez, madame, pendant ce temps, grâce à la tête de ma fille, et par la contre, très dangereux parce que il y aura un arrêt pour la prévention. En gros, ça que nous gagnons pour nous, chers amis, je vais faire toujours consulter les médecins, nous, personnes médicales, nous, tout ça que nous, n'importe qui est normal, parler d'être pour nous, toujours, ouais. Médecin non rapide pour qu'il prenne les mesures nécessaires pour que nous ne pas arriver non stade et avancer pour que le traitement soit très difficile et parfois impossible de prévenir pour mieux que guérir. Docteur Falenza, merci en pile. En pile belle information que nous prenons. Mais il y a une manière que vous dites pendant que vous formez nous, informez nous, qui attire l'attention, c'est en parlant de mesdames, d'allaitement. Oui. Pour montrer l'importance, et c'est une façon pour nous encourager, mesdames, dans ce sens, parce que gagner une culture de l'OA, côté que parfois, mesdames, vous ne voulez pas dire que vous êtes sain, vous voulez qu'un médecin soit dans une forme que vous-même vous aimez, vous pensez que le bâtiment est sain,
c'est un parler pour notre forme que pas trop aimé. Mais nous croyons que c'est une nourriture que bon Dieu déjà pour tout le monde là dans ce temps qui très important et tout nous doit joindre nourriture ça pour nourrir et yo recommander dans 6 premiers mois yo si tu nous est capable nourrir de allaitement maternel c'est très bien et là encore nous venons joindre dans information que on ba nous li bon mesdames et tout lorsque l'essa est sorti parce que li là pour une raison bien déterminée pour un espace de temps bien déterminé li bon lorsque tu nous en utiliser et l'essa est sorti. En tout cas, nous espérons que mesdames et messieurs prennent note de sa docteur en dire que c'est des informations qui sont très importantes, très intéressantes. Si nous appliquons, il y a bon pour nous, il y a bon pour la communauté, nous, parce qu'on a partagé avec l'autre monde. Docteur, merci encore une autre fois à docteur pour l'information. Et pour nous, comme toujours, moi, des amis de nous qui suivent, nous, pas de nous donner un côté café pour montrer que vous appréciez la vidéo, que vous partagez. Ou même si c'est la première fois que vous tombez sur la vidéo, ça. Et mais n'a dit que nous toujours là et Jean Cafel pour ouais tout autre ça qui passé yo c'est taper Jean Daniel Falaise et ou inscrit sur pour qu'on fait ça et ou tout cliquer sur petit cloche notification leur fait ça ou mettez le sur toutes ou pour toute vidéo qui passé yo et ou en mesure qu'à partager avec l'autre show tant nous plus information c'est tant nous à vivre mieux parce que nous appliquer information que nous jeunes et n'a partager yo n'a aider l'autre monde vivre mieux. Encore nous disons merci parce que nous sommes là et nous promettons que nous tournons toujours pour des informations sur la santé parce que tout désir nous c'est que nous sommes capables de vivre en bonne santé. Donc c'était avec nous. Le docteur nous conseille à la prochaine.